Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le samedi 10 avril et je suis aujourd'hui près de mon mélangeur à miel qui est ici. Et je suis en train de préparer le miel de luzerne pour en faire du miel crémeux parce qu'il a eu un franc succès au niveau de ma boutique en ligne et ben là je suis limite en rupture de stock donc je vais mettre du miel de luzerne comme je vous ai expliqué. J'essaierai, ben, je vais vous remettre le lien en description des différentes vidéos que j'ai fait sur le mélangeur à miel. Et donc là j'ai mis du miel liquide que j'ai défigé, donc du miel de luzerne liquide, et je vais rajouter une base de miel de luzerne crémeux que je vais rajouter ici dans mon mélangeur. Donc là, je viens de rajouter mon miel de luzerne liquide. Je vais attendre qu'il refroidisse et puis ensuite, je vais mettre la base donc à l'intérieur de celle-ci. Donc la base, en fait, moi, ce que j'appelle ma base, c'est un miel de luzerne qui est déjà travaillé en crémeux et que je vais rajouter à celui-ci pour que la cristallisation se fasse et que j'ai ensuite du miel de luzerne crémeux. Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le dimanche 11 avril. On se retrouve encore une fois dans mon sous-sol. J'ai mis en route le mélangeur hier, comme vous avez pu voir dans les petites vidéos que je vous ai passées. Là, la base, donc le miel de luzerne crémeux et le miel de luzerne liquide sont déjà fort bien mélangés. Je vais vous montrer. Voilà, donc là, on se trouve au-dessus du mélangeur. Il y a une petite partie qui reste encore à écumer ici. J'ai pourtant bien écumé, mais comme vous le savez, il y a toujours une petite pellicule de cire qui remonte en surface. Et là, on voit déjà quasi plus la différence entre la base qui était toute claire hier et le miel liquide, le miel de luzerne. Après, vous allez voir, je pense que la couleur va fortement changer. Pour l'instant, on a l'impression que c'est foncé. Mais vous verrez qu'une fois mis en pot, il aura beaucoup plus éclairci que ce qu'il l'est en ce moment. Voilà, alors pourquoi on est dans mon sous-sol aujourd'hui? Bien, il pleut, donc je me suis mis à l'abri. Et je voudrais préparer pour mes futures éleveuses, je voudrais leur préparer de la pâte protéinée. Alors attention, moi ce que j'entends pâte protéinée, en fait c'est juste un mélange de miel, de sucre glace et de pollen frais. Donc c'est pour ça qu'on se trouve dans mon sous-sol, parce que j'ai mes congélateurs qui y sont. Et on va voir ça tout de suite pour préparer la pâte protéinée. Voilà, donc là on se retrouve au-dessus de mon congélateur. Alors ici vous avez les poulets, mais ça je pense pas que ça vous intéresse de trop. Donc là j'ai une partie du pollen de saule que j'ai gardé là qui est de cette année. Et puis j'ai gardé aussi une partie d'un pollen de fruitier. Alors là j'ai un peu de tout dedans. Ce qui est fort orange, c'est le pissenlit. Ce qui est un petit peu plus brun ici au niveau de mon pouce, c'est du merisier. Et ensuite j'ai du pollen d'aubépine à l'intérieur. Alors pourquoi j'ai gardé celui-là? Parce qu'en fait il y a différentes variétés florales à l'intérieur, donc ce qui peut apporter bah on va dire une variété alimentaire pour mes abeilles. Et plus il y a de pollen varié dans l'apport de protéines, et mieux c'est pour les abeilles, plus c'est riche quoi en fait. Donc on va faire un mix de ces deux pollens là, celui-ci et celui-là,
Et puis on va faire un petit peu la mixture. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc là j'ai préparé environ 700 g de pollen de saule. Donc il y a un petit peu aussi du pollen d'épine dedans là qui fait que c'est un petit peu brun aussi. Mais majoritairement, celui-ci, il est à plus de 80% de pollen de saule. Voilà, et ici, donc, on a mon pollen de fruitier. Donc, mélange pissenlit, merisier, épines, et puis et pas mal d'aubépines dedans. Donc, voilà. Et derrière, on voit, c'est pas du tout la même couleur, le pollen de saule. Donc, on va mélanger ces deux pollens-là. Et puis, je vais peser aussi mon sucre glace que j'ai acheté pour pouvoir le mélanger à mon pollen. Bah, c'est parti. Voilà, le sucre glace est pesé, donc j'en ai pris 1,5 kg. Alors le sucre glace, lui, va me servir à faire une pâte assez, on va dire, pas trop liquide, qui se tient assez bien pour pouvoir le mettre sur la tête des cadres, soit de mes nucléi, soit de mes ruchettes cicates pour faire mes éleveuses. Voilà, et en plus du pollen et du sucre glace, je vais rajouter du miel de luzerne. Il m'en faudra environ 2 kilos. On adaptera peut-être les proportions dans la recette. Le miel là, je vais le réchauffer un petit peu pour qu'il soit liquide et que je puisse le mélanger avec mon pollen. Du coup, je vais le réchauffer tranquillement au bain-marie. Je vais le mélanger avec le pollen. Et ce que je vais rajouter aussi avec le miel, le pollen et le sucre glace, je vais rajouter de l'huile parce que le gras sucré, comme on sait, c'est comme les donuts. Il n'y a rien de meilleur. Et donc un petit peu d'huile, ça rajoute un petit peu d'appétence pour nos abeilles. Et bah c'est parti, donc on va se rendre en cuisine pour préparer tout ça. Donc j'ai fait réchauffer dans une casserole au bain-marie le miel de luzerne. Donc là, il est liquide, mais il ne faut pas non plus qu'il soit chaud pour casser les ferments. Enfin, cuire les ferments du pollen. En fait, je prends que du pollen frais pour pouvoir garder tous les bons ferments qui seront nécessaires pour apporter une bonne alimentation à mes abeilles. Donc, 1,4 kg de pollen, 2 kg de miel. J'ai mis 1,5 kg de sucre glace dans un seau parce que j'ai pas un récipient assez gros pour contenir l'ensemble. Et ce que j'avais oublié, c'est de l'huile de colza, donc, et il faudra en mettre 100 ml. Donc ça sera pour le côté appétant de la pâte protéinée. Voilà. Donc on va mélanger tout ça et puis bah, on se retrouve à la fin pour voir un petit peu quel aspect ça a. La pâte terminée, je n'ai plus qu'à la mettre dans un moule à cake que j'ai recouvert d'un papier cuisson. Et je vais ensuite mettre cette pâte-là au réfrigérateur 24 heures pour que la pâte se raffermisse un petit peu. Voilà, retour au rucher. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 12 avril. Je suis en train de faire mes derniers comptages. Là, c'est un des derniers ruchers que je dois compter pour être sûre de mon taux d'infestation pour le varroa, pour bien démarrer la saison. On va dire que la météo maussade est plutôt favorable au comptage, puisque là, il y a très peu d'activité devant les ruches. Donc ça évite d'avoir des langes complètement nettoyées quand on veut commencer à compter et à regarder un petit peu ce qui est tombé au niveau varrois.
donc pour vous faire un bref résumé, en moyenne par rucher, j'ai à peu près une tête à poule par rucher. Donc dans ce cas précis, je la traite à l'oxybi, donc je lui fais un dégouttement comme on a vu dans les précédentes vidéos. Et je vous remettrai le lien ici de la vidéo où on voit le dégoûtement de l'acide oxalique. Et donc mes têtes à poux, donc pour vous résumer un petit peu la situation, la colonie où on a fait un comptage, on a posé les langes, on est revenu 3 jours après. Et 3 jours après, j'avais 21 varroa de tomber sur le lange. J'essaierai de vous faire une petite vue sur le lange pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble un varroa et puis tout ce qu'on peut retrouver sur un lange au bout de 3 jours ou une semaine. Donc on était revenu, donc 3 jours après on avait 21 varroa de tombée. Là j'ai fait un traitement à l'oxybi, donc toujours pareil dans des conditions un petit peu similaires. J'ai traité à l'oxybi, c'était un après-midi, il faisait 7 degrés, donc les abeilles sortaient pas du tout. Et on est revenu compter 48 heures plus tard et il y avait 30 varroa de tombée. Donc voilà, donc je pense que celle-ci, elle avait vraiment besoin d'être déparasitée un petit coup, sachant que j'ai pas tué tous les varroa, puisque je n'ai tué que les varroa qui étaient en surface, qu'on appelle les varroa forétiques. Ceux qui étaient dans le couvain, malheureusement, ils n'ont pas été tués, mais ça permet quand même de rabaisser un petit peu la pression sur ces colonies-là qui ont été traitées tout pareil que les autres. Mais pourquoi elles ont plus de varroa? Il n'y avait pas plus de couvains de mâles que ça. Bref, elles ne sortaient pas de l'ordinaire, quoi. C'était pas non plus une colonie hyper grosse, on va dire qu'elle était sur 8 cadres de qu'elle occupait 8 cadres. Voilà, donc c'était pas non plus une énorme colonie. Donc voilà, en gros, je vous dis, en moyenne, j'ai une tête à poux dans le rucher et le restant, ça reste carrément raisonnable. J'ai soit pas du tout de varroa, soit j'ai un varroa ou là j'en ai une. Donc les langes là, je les ai posées il y a une semaine, j'ai fait un comptage il y a 3 jours, il n'y avait rien du tout. Là, je suis revenue, j'en ai une qui a 6 varroa, mais 6 varroa. En 4 jours de temps, ça fait pas énorme, quoi. Normalement, si elle était fortement infestée, en 4 jours de temps, j'aurais dû retrouver 12 varroa. Là, j'en retrouve que 6. Donc, celle-ci, je vais pas la traiter pour autant. Je ne traite vraiment que celle où je retrouve vraiment énormément de varroa sur le lange. Voilà. Donc, je vais vous faire une petite prise de vue pour voir un petit peu ce qu'on retrouve sur les langes. On va prendre celle-ci comme exemple. Et puis voilà, on va faire un petit gros plan là-dessus. C'est parti. Voilà, donc on va passer en revue ce qu'on peut voir sur les langes. Donc là, on voit bien les langes, elles étaient quand même mises ainsi sur le plancher de ma ruche. Donc on voit bien les ruelles là, occupées par les abeilles. Hein. Tous les débris, en fait, ce sont l'occupation des cadres par les abeilles et c'est elle qui nettoie tout ça. Donc alors on a quelques abeilles mortes, ça c'est normal. En fonction des ruches, on peut retrouver entre 2 voire jusqu'à 10 abeilles mortes, voire des fois un peu plus, ça dépend des colonies, en une semaine de temps. Mais ça c'est normal pour le moment puisque c'est le renouvellement quand même des vieilles abeilles là qui arrivent en bout de course en début de printemps, on va dire. Là c'est du pollen de pissenlit, actuellement il est en fleur. Et puis ensuite je vais tâcher de vous montrer, donc là en fait les débris que vous voyez ici, les petits cristaux blancs, en fait c'est le miel qu'elles sont en train de consommer. Donc là je vais vous faire un gros plan sur le varroa, donc c'est lui ici. Voilà, là on a un varroa de tombée. Je vais vous montrer aussi à quoi pouvait ressembler un varroa. Donc celui-ci, c'est un varroa qui doit être jeune, parce qu'il est encore tout clair. Comparé au varroa assez brun que je vous ai montré tout à l'heure.
Donc eh bien voilà ce qu'on pouvait dire pour celle-ci. Donc très peu de varroa tombée, hein, 3 en une semaine, donc c'est pas la mer à boire. Donc je vais pas la traiter, hein. Donc je ne traite que les colonies qui en ont besoin, donc qui ont un fort taux d'infestation. Donc eh bien voilà ce qu'on pouvait dire pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tenais à dire un grand merci à tous mes nouveaux abonnés là, qui viennent d'arriver sur la chaîne. J'ai eu de nombreux abonnements là, ces derniers temps, ainsi que sur Instagram. Et je tenais à vous remercier également des gentils messages que vous me laissez, ça me va droit au cœur, ça me fait vraiment plaisir. Dans la prochaine vidéo, je pense que je vous ferai la suite de mes pâtes protéinées, que j'ai fait là dimanche. Je vous montrerai un petit peu comment je le conditionne et puis comment je le distribue. Voilà, je pensais cette semaine vous montrer au moins une vidéo de la pose des hausses, mais là ça a l'air carrément compromis au niveau de la météo. On nous annonce un maximum de 10 à 12 degrés cette semaine, au moins jusque vendredi. Donc si vraiment on commence à poser les hausses, je pense que ce sera ce week-end. Si vraiment le temps s'y prête et que les températures remontent un petit peu. Voilà. Désolée jusqu'ici, on n'a pas vu beaucoup d'abeilles. Mais bon, c'est comme ça, c'est Dame Nature qui décide, c'est pas nous. Nos colonies, elles, je pense qu'elles sont prêtes à produire, mais pour l'instant, il va falloir qu'elles patientent au moins encore 4 à 5 jours. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un message, un commentaire, de la liker, la partager. N'hésitez pas à vous abonner également. Et puis je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. À ciao !